Eh oui, c'est dimanche et toujours pas peur. Alors, en ce week-end où tout le monde joue à Wolfenstein 2, j'ai trouvé un petit peu inutile de vous streamer une partie. Et donc, oh, j'ai oublié de couper mon retour. Fallait bien que je commence par un petit fun quand même, sinon ça aurait pas été normal, dites donc, madame. Alors, ferme ta gueule moi-même. Voilà, ça va aller mieux. Et donc. Bah, vu que vous allez avoir des milliards de streams de Wolfenstein 2 tout le week-end, d'ailleurs, je vous invite à l'essayer, en fait, ce sera beaucoup mieux, puisque ce jeu est très très bien foutu. Même si c'est un gros goinfre, comme j'ai déjà pu le préciser sur Twitter, en ressources machines, il a quand même le bon goût de s'adapter aux petites configurations ou configurations qui ont déjà pris 2-3 années dans le pif. Et du coup, tourne comme un charme, quitte à céder un peu de résolution, mais du coup, ça se rattrape sur le filtering et c'est magnifique. Je vous invite à mettre un petit coup de souris dessus à l'occasion si vous pouvez. C'est vraiment un jeu sympa, puis surtout en cette période de Trumpitude, il y a quoi vraiment se marrer. Parce que, je le rappelle, les jeux vidéo, c'est fait pour se marrer à la base. Les gens qui se prennent la quiche, en particulier en réseau, en s'insultant mutuellement, je crois qu'ils n'ont pas trop compris la sémantique du terme jeu. Et donc, je vais revenir à ce qu'on va streamer aujourd'hui. Alors vous voyez l'écran, c'est rose, avec une musique qui est super inquiétante. Toute pleine de darkitude et de gothiquisme. Et donc, je vais faire pour la première fois de ma vie. Non, peut-être pas la première fois, parce que j'en ai tenté d'autres, mais je crois pas que j'ai tenté plus de 10 minutes chacun. Je vais faire un visual novel. Et oui, parce qu'il y a du buzz sur certains titres et vous ne pouvez pas passer à côté. Donc, du coup, bah, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait, mais qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux titre qui vient de l'espace et du cosmos, toujours les alertes du téléphone avec les mongoloïdes de d'ingresse mal baisés, qui essayent de faire voir que le jeu est encore amusant alors que plus personne ne joue avec eux. On va couper tout ça. Au revoir, messieurs. Bon ennui entre vous. Et donc, je m'en vais, oui, je suis toujours malade, je m'en vais tester ce titre qui est Doki Literature Club. Qui a un buzz qui dit que c'est tout kawaii, mais vous allez voir, c'est psychologiquement anéantissant. Et n'étant une personne particulièrement faible, comme beaucoup de mon auditorat Twitter, d'ailleurs les auditeurs Twitter sont bien nantis, puisqu'on peut toujours crier devant l'ordinateur, ils ne nous entendront pas, c'est comme Alien. Eh bien, je me suis dit, bah, je vais tenter le truc, hein. J'ai envie d'être traumatisé. Please enter your name. Comment voulez-vous m'appeler, les amis? On va trouver un nom sympathique. Guntar, ça me plaît pas mal. Avec un H, ça fait Guntard. Ah là 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 là, que c'est beau. Alors. Hey! Hey! Donc, visuel plus novel, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de lectures d'après ce que j'ai compris. Hein. Pardonnez mon absence d'expérience dans le domaine. J'espère qu'il va pas atteindre son niveau max de chiantitude au bout de 10 minutes, parce que ça va être le stop, hein. Le stream sera très court. Mais moi, quand ça me gonfle, en général, j'insiste pas. Oh là là. Il y a des filles qu'elles viennent vers moi. Mais que se passe-t-il? Sayori, ma voisine. Et bonne amie depuis que nous sommes enfants. Ça sent les poils qui poussent, tout ça. Ouais. J'espère que vous savez lire l'anglais. Le jeu est intégralement en anglais, donc il va falloir se le tartiner comme ça. Ok, mais dis donc, c'est super original comme narration, ton commencement d'un pur. Je vais moucher, tiens, pendant ce temps. Ça vous laisse le temps de lire un peu, parce que je voudrais pas être le seul à souffrir. J'ai l'impression d'être dans un magasin bondage, mais version kawaii. Allez. Oh! Eh ben ouais, mais c'est trop pioncé, fallait. Cette musique est trop bien, je vais acheter la BO. Eh oui, Guntard. You play my ding ding dong. Si elle est vraiment très sage avec moi, je lui offrirai peut-être mon mouchoir plein. Alors.
Let's go to school, les enfants. Je rejoins un club, moi, malgré mon indépendance de loup solitaire ou de sous-lolitaire. Moi, je voudrais bien un club poterie, c'est ce qu'on fait le plus souvent. Ah, merde, ça y est, j'ai baillé déjà. Mauvais signe, ça. Oula. On va se donner un compteur de combien? 10 bâillements. À 10, c'est bon, c'est que c'est cramé. Quoique vous m'entendrez peut-être ronfler d'ici là. C'est quand même bien d'avoir une copine qui t'apprend à socialiser. Pendant que t'es tout seul comme un con devant ton ordinateur à cliquer pour faire passer les dialogues. Non, j'ai rien dit, je n'ai rien dit. Cette médisance va auto-re-rentrer en moi. Bon, voilà. Yeah. Je vais bientôt avoir une crampe déjà sur l'index. Bon, faut dire que j'ai peut-être passé l'âge des visual novels aussi, c'est une question d'âge, hein, sûrement. Enfin, pour moi, l'horreur psychologique, elle est déjà là. Hein. C'est. Je. J'ai pas le droit de mettre un coup de pied dans cet écran, mais dans ma tête, j'ai souvent cette image, depuis 2 minutes. Ah, mais c'est always look on the bright side of the of life. Oh, ouais. Toulou, 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 toulou. De toute façon, vous êtes habitué avec moi, les streams, c'est toujours déconnant, sinon ça n'a aucune raison d'être. J'ai tout ça un bon coup pour me débarrasser de. Oh bah non, j'ai un cheat, vous allez voir. Ah, mais ce soir, vous avez tout le backstage live sur ce stream, profitez-en, c'est pas tous les jours. Let's go. Écoute-moi ça comme c'est bien. Oh, je vais avoir l'haleine d'un caribou nouveau-né, dites donc. Ça pique. Bon, l'autre option, c'est que je me fasse un thé avec du rhum. Mais bon, on va essayer de s'abstenir. Parce que vous avez remarqué qu'on toute la semaine, j'ai fait ça. Et le résultat n'est pas super génial. Ah ouais, oh. On a combien de minutes là? J'ai tenu combien de temps? Parce que je peux avoir peut-être déverrouillé un nouveau achievement. 7 minutes 8. Il faut que je tienne 20, allez. Ouais, non mais c'est un signe, les gens qui s'attendent comme ça, c'est qu'ils se tournent un petit peu autour. Hein. C'est un peu comme les chiens qui veulent pas partir, quoi. Je vais y aller à ton club. Allez, parce que là tu commences à insister un petit peu beaucoup quand même, mes mères. Bouton skip, mais je crois qu'il n'est pas actif. Ils ont vraiment tout prévu, les salauds. Bon, quand c'est que j'ai un choix, moi, pour comment dire, avoir l'impression de participer à cet événement absolument magnifique qui est une cruche qui essaye de me convaincre à quelque chose que je vais forcément faire. Ah ouais, un petit cupcake. Pourquoi j'ai dit oui? Et des fois, je devrais m'abstenir de tester certains titres. Tout simplement. Mon Dieu, mais il y a foule! Ah! Salut toi! Donc le principe, hein, c'est toujours de tomber dans des clubs où il n'y a que des filles, apparemment. Voilà.
Et puis des filles qui sont super moches, hein, c'est super important. Elles sont grosses, elles ont le visage plein de boutons, une élocution de charretière. Bah voilà. Alors, plouf, plouf, plouf. Déjà pas toi, parce que bon, on va dire que bah il y a une zone là où c'est clairement pas festif, quoi. Alors, je m'égare peut-être. Quoi, c'est pas un jeu de drague? Ah. Dans ce cas-là, pourquoi il y a un mec et trois filles? Enfin, quatre même. J'avais remarqué. C'est full de cute girls. Ben, toi, rien, il n'y a rien à regarder. Je suis désolé, tu sors. Regarde, il y a la fenêtre, là. Jette-toi. Jette-toi par la fenêtre. Moi de conclure ce petit air un petit peu mini-got prude, c'est pas mal. Alors faut retenir les prénoms, hein, c'est important. Ah, deuxième bâillement, c'est pas bon ça. Combien de temps? Je regarde le compteur temps à chaque fois parce que ça me fait vraiment beaucoup rire. 11 minutes. 11 minutes, un bâillement toutes les 3 minutes. Oh, on va tenir les 20 minutes, je pense. Oh yeah. Bon, j'ai une idée pour le thème du club. Comment ça, vous rigolez déjà, vous, les gens qui visionnez le stream? Non, non, non. Du calme. On pourrait faire un club particulièrement spécialisé sur cette activité qui demande à la fois patience, persévérance, avec ne pas confondre avec perversérance, et attention de tous les instants, qui est donc, bah, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, l'archéologie. Eh oui, on n'a jamais assez de clubs d'archéologie près de chez soi. Et en plus, tout l'environnement autour de chez vous peut être archéologué, quoi. Rappelez-vous quand vous étiez môme, vous faisiez chier grave. Eh oui. J'espère qu'il n'y a pas de... Si, mets des champignons, en fait, dans tes cupcakes, ça pourrait être mieux. Je sais pas si je vais survivre à ce stream en fait. Tada. Oh, des petits nez coco. C'est trop kawaii. Voilà, kawaii. Non, mais même les dialogues, tu vois, tu peux les sortir d'avance, sont trop forcés, quoi. Alors là, il y en a deux, dont trois, elles vont s'en aller, et je vais te laisser en aparté avec une seule, c'est ça? On va y aller? Ouais, c'est dégoûtant de parler la bouche pleine. On va pouvoir faire voir qu'elles sont un petit peu punk. Putain, mais je choisis rien, quoi. C'est super bon! C'est un faux bâillement, ça. C'est un faux bâillement. Je m'ai tiré en même temps, ça compte pas. On en est toujours à 3. Ouais, vous étudiez con, du coup. Parce que c'est bien de jouer à la dinette, mais merde. Vous n'avez pas passé un peu l'âge, là, avec votre corps qui change. Il y a des chances finalement que ce soit le stream le plus rigolo de toutes les séries de streams sur des jeux que j'aurais fait parce que je sais pas où on va du tout là. Donc fais la gueule, bichette, be cool un peu. Moi, ce qui m'en quand même perplexe, c'est le manque de choix dans les... Alors c'est peut-être ça le concept du visual novel, c'est juste
Plutôt que de mettre ton doigt sur des lignes, sur un bouquin, au fur et à mesure que tu le lis, ben là tu cliques, mais... Il aurait fallu me prévenir, c'était aussi chiant que ça, j'aurais pris un vrai livre à lire en même temps, quoi. Oh, je suis méchant, je sais. Mais c'est un métier de méchant, hein. Vous savez, à mon âge, avec l'expérience que j'ai, je vous garantis que je suis pas encore au super top niveau. Enfin, je peux encore faire du level up. D'ailleurs, je vais essayer de le faire dans ce jeu, tiens. Ben oui. En plus, c'est des filles, il faut en profiter. Après, pour en faire, dénonce ton streamer. Je rappelle quand même, c'est pas une raison pour être méchant avec les filles dans la vraie vie. Eh ben, je vais faire un club sur une créature absolument formidable qui recense plusieurs morphologies et qu'on appelait Cthulhu, si je me rappelle bien. Ça vous dit, les filles? On pourra faire des soirées sympas, écouter des disques à l'envers, faire des incantations. Putain, pour ouvrir un club, dites donc, le proc s'attend, j'aurais pu aller à la préfecture du coin, même avec des fonctionnaires pas très motivés, j'aurais déjà fini, quoi. Souffre. Frappez-moi. Je suis Ripley dans Alien 3. Non, dans le 4. Quand elle tombe dans le laboratoire, ils ont essayé de faire plein de clones ratés. Tue-moi. Tue-moi. Personne n'a un lance-flamme. Sérieux? Tout le monde devrait avoir un lance-flamme à la maison, quoi. Pourquoi il faut qu'on ait des extincteurs de partout si on peut pas avoir des lance-flammes de partout de l'autre côté pour équilibrer? Je comprends pas trop ça. Il n'y a aucune logique là-dedans. Je vais chercher à boire là parce que. Il n'y a pas un truc pour que ça avance tout seul. Auto. Yes! Oh putain, j'ai trouvé la seule fonction qui est géniale dans ce jeu. J'ai les mains libres. Je vais m'enrouler une cigarette. Hein. J'en vois deux qui rigolent en mettant ce stream au fond. Je vous ai repéré. Et je vous fais un petit clin d'œil quand même. Chouink, chouink. Je lis en même temps, hein, quand même. C'est bon, j'ai lu, tu peux avancer, chérie. Alors, moi, ce que j'aime bien lire, c'est les romans qui parlent des expériences vécues des hommes quand ils se sont fait maltraiter par des filles. Sinon, j'aime bien les trucs avec des animaux. Tu sais, les hyènes. Ouais, pas très lecture, tu as raison. Des fois, je joue aux jeux vidéo, même des visual novels. Je voulais pas. Alors, laisse-moi deviner, tu étais stripteaseuse dans un club un peu bondage. Bon. Ouais, c'est ça, avec des dragons. Ça s'appelle une boîte gothique. Mais qu'est-ce que je fous là? Imagine un jour tu te réveilles et devant toi le monde s'est transformé en un écran avec un visual novel qui démarre. C'est vraiment un sale trip quand même. Ne serait-ce pas ça d'ailleurs ce qu'on appelle aller au boulot quand on n'aime pas le boulot qu'on fait. Condoléances, chers amis.
Attends, tu attends une interactivité avec moi, qu'est-ce qui se passe? Faut me dire hein, quand faut interagir les gens. Je pense que je vais moucher devant les filles, ce sera un point de plus pour moi pour faire voir tout mon côté sexy, glamour et érotique à la fois, mais soft. Parce que ça fait peur. Sens que Natsuki va me gonfler partout le long. Et que Monica, ça a l'air d'être la bonne soumise. Donc je vais aller chercher mon fouet et les menottes. Est-ce que je peux faire compter les soupirs pour comme des bâillements, c'est-à-dire deux soupirs, un bâillement, vous l'achetez? Non, parce que là, je vois pas trop à quoi je sers, moi, dans l'histoire. Je ne lis que des fadaises. Je n'ai aucune interactivité quasiment avec ce qui se passe dans l'écran. J'ai mes deux mains libres pour faire absolument ce que je veux. Donc là, je suis en train de faire un Rubik's Cube en même temps. Enfin, j'entamerai le Rubik's Cube une fois que j'aurai fini de rouler ma clope. Le tabac, c'est mal, hein. Mais c'est pour ça qu'il faut fumer, justement. Du moment que ça peut faire chier les gens, qu'on fasse quelque chose, faites-le, les gens. C'est important dans la vie. Alors, attends, il y a une mise en abysse, là. Parce que le mec qui a écrit le scénario s'est dit, je vais faire un scénario profond où, en fait, on explique comment les scénarios intéressants deviennent bien au fur et à mesure qu'on les rend intéressants. Mais je vais le faire avec une histoire naze. Ok. C'est vendu, signe-là. Donc on va se faire un club de littérature. Ce qui expliquerait, ben, oh putain, j'ai résolu tout le jeu. Le titre du jeu. De qui? Littérature club. Mais n'était-ce pas ça que Odile Doré voulait dire? Ben, combien de temps j'aurais mis pour résoudre le jeu? 23 minutes. Allez, on y va, je rentre. Ouais. Allez, à bientôt. Hey, toi à gauche, tu rentres avec moi. Non, mais c'est comme ça. Ouais, let's faire le. Café qu'il me faudrait en fait. Non, un énorme café. Mais tout à fait. Yuki, viens, j'ai deux trois mots à te dire. Les autres, vous pouvez. Bah, vous pouvez venir pour filmer.
Non, Jean-Pierre, apporte-moi le fouet avec les lames de rasoir pour que je m'auto-flagelle, s'il te plaît. Ouais, merci. Ah, oh, ça pique, c'est cool. Avec de tes bottes. What? You're bitches. Non, c'est trop kawaii. Bon, je vais faire le café parce qu'apparemment que je sois devant le jeu ou je sois pas devant, hein, ça va bien se passer. Donc, je vous laisse profiter de cette musique et ne pas avoir mon commentaire parce que je voudrais pas le gâcher non plus. Et par contre, s'il se passe quelque chose, non, il n'y a aucun risque, c'est bon, je regarde. Je reviens quand même jeter un oeil, je voudrais pas rater un élément super important. Genre, je suis super dégoûté, quoi. Vous allez bien de le dire. C'est bon, on peut se déshabiller? Ah, pas encore. Eh merde. Ah. À 27 minutes, je peux confirmer que je ne suis vraiment, vraiment pas fait pour les visual novels. Ouais, je choisis où? Suddenly, when suddenly, rien du tout. Ouais. Alors, est-ce un simulateur pour apprendre la sournoisie masculine? Ça ne m'étonnerait pas non plus. Je vais faire un remix de la musique avec la cuillère dans le café. Ah! On va me demander de l'interactivité. Non mais attendez les gars, je suis pas prêt. Je suis pas prêt là. Attends, je remue mon café d'abord. Je suis choqué. Je suis la choquitude totale, quoi. Moi, je vais même mettre du rhum dans le café là, ils m'ont gonflé. Oh mon Dieu. Bah, normalement, c'est de la tequila, c'est meilleur. Et du rhum là. Ah. Alors, un poème. Je vais peut-être remettre un peu de rhum en fait si c'est un poème qu'il faut faire. Non, je déconne. Faut pas boire, hein, les enfants, c'est très mauvais, regardez la gueule de vos parents. Alors,
Crimson, Lollipop, Fickle, Broken, Excitement. Moi, je vais faire Broken, Uncontrollable, Excitement, ça me plaît bien. Merde. Broken. Electricity. Hein, parce que le but, quand même, c'est de faire un poème. Donc, s'il y a du sens, c'est plus un poème. Boop, non. Broken Electricity, Jumpy, Depression, Warm, qu'est-ce qui pourrait pas être Warm? Il y a des trucs qui peuvent être Warm, c'est nul. Bon, Warm Limstick, allez. Pleasure. Bah tombe, bien sûr, cimetière. Je sèche là, alors j'en étais à cimetière. Donc faut qu'il y ait de la joie dans un cimetière. Ou alors rose, bon c'est mieux. Tourbillon, non. Aventure. Explode. Explode milk. Vertigo. Vertigo essence. Bien sûr. Mariage. Bijon. Je crois que je vais avoir le poème du siècle, mes amis. Party time. Parfait. Parfait gluon. Pas mal ça. Parfait gluant. Marshmallow, ça va être trop logique, ça va pas du tout. Anxiété, gluant, c'est connu. Uncanny, c'était le terme de la semaine avec les Uncanny Valley. D'ailleurs, je vous invite à regarder tous les posts que j'ai fait. Faites un search étoile post Uncanny. Il y a pas mal de trucs intéressants, dont des documentaires, notamment sur tout ce qui est tous ces travaux d'image où on arrive à faire des choses réalistes qui ne sont pas parce qu'elles sont totalement fausses, mais on les fait quand même. Et mon poème, j'ai bon là? Je peux avoir Yuri? Parce que toi, tu m'énerves en fait. J'ai envie de te tarter. Putain, mais avance! Ça va plus vite quand je clique en fait. Alors les gens qui pratiquaient les visual novels, je vous invite à commenter ce stream si vous le voyez, pour m'expliquer s'il existe des visual novels où on se fait moins chier quoi. Parce que s'ils sont tous comme ça, c'est clair que c'est même plus la peine que j'en essaye plus tard quoi. On va plus dire merde sinon. Exactement. Oh purée, il est chargé en café ce café, dites donc. Cooking, cleaning my room. Bonjour, je fais super bien la quiche. C'est connu que toutes les filles adorent nettoyer leur chambre. D'ailleurs, ça se voit après, indirectement, on les condamne à faire ça encore à la maison, alors qu'elles ont un mec pour le faire. Je lol. Je baille plus parce que ce jeu a totalement éveillé ma curiosité. En fait, je suis très pressé de pouvoir le quitter, en fait. Donc c'est pour ça que j'accélérais. Je donne toute mon attention pour que ça se passe le plus vite possible. Hey, t'as déjà vu les bronzés, Yuri? Oui. Et il y a une ouverture, là.
Bah, juste deux ventes, c'est tout. Pas très bien. Non, je suis pas contagieux, hélas. Je sens le côté obscur de la force qui me pèle. Ah oui, c'est une idée. Il se passe rien sur écran, il se passe pas grand-chose dans le descriptif. Je plains les gens qui ont un PC et qui n'a qu'un écran, parce que vous pouvez pas faire autre chose sur le deuxième en même temps. Là, elles sont en train de me donner une énorme envie. Mais une envie, mais... je pourrais pas résister, quoi. Je crois que j'ai envie de me faire un Mikado tout seul. Jouer contre moi-même au Mikado. Ça me semblerait une meilleure manière de perdre mon temps, quoi. Oui, je sais, mais de toute façon, je suis méchant dans mes streams. C'est obligé quand on me met un soft de merde dans les mains. Ça fait pas un pli, quoi. J'essaye de rester aimable et tout, trouver des qualités et tout. Donc, là, des qualités, il y en a probablement. Mais face à l'ennui, alors qu'on est quand même dans un contexte de jeu. Donc, qui dit jeu dit occupation, distraction, détournement d'attention vers des activités qui sont autre chose que l'ennui. Et en fait, hein, pas l'ennui, il est où? Il est sous mon clic de souris. Yeah, fuck, yeah! Mais tu as trop raison! Rappelez-moi d'acheter la BO, hein. Ce jeu, je vais le recommander à un Twittos en particulier. S'il voit le stream, il se reconnaîtra. Mais je crois pas qu'il va regarder le stream, je crois qu'il est pas très gamer. Mais oui, ça va lui plaire. Enfin, il va surtout rigoler. Il va comprendre pourquoi je le recommande, quoi. Tu aimes l'écriture? Tu aimes la narration? Ce jeu est pour toi. Je te jure. Il y a une espèce de fil conducteur subtil qui te titille et fait que tu ne peux pas appuyer sur le bouton. D'ailleurs, il n'y a pas le bouton quitter là si on regarde bien. Ils ont tout prévu, hein, vraiment. Oh là là, c'est un drame. Des cupcakes, ouais, bah oui, il faut ramener les cupcakes régulièrement dans la converse parce que là j'étais en train de quitter là. Dans ma tête, c'était un petit peu comme Homer Simpson quand il y a le petit cochon qui tourne en rond, quoi, alors qu'on lui pose une question super intelligente. Vas-y, fais péter tes cupcakes. Vous savez quand même que le cupcakes, c'est quand même un des pires gâteaux au monde, c'est-à-dire c'est surtout du beurre. Et en cette période où le beurre est pas loin de passer en contrebande dans notre beau pays, c'est un sujet, je le ramènerai pas trop sur le devant, quoi. Le cupcake. C'est vrai que le cupcake, c'est très joli, mais à manger quand même, je recommanderais pas ça pour la santé des enfants, quoi. Manger plutôt des religieuses. J'étais obligé, désolé. J'aime bien l'image de fond là. Ouf, fais pas un gros plan sans prévenir comme ça, toi. Quel cookie, là. Ça y est, regarde, l'atmosphère se détend. Bon, j'ai enlevé mon pull. Là, il fait chaud, là. Non, on est à l'entrée de l'hiver, on a changé d'heure, c'est dramatique. Tu veux pas que je te fasse un poème?
J'aurais dû ramener ma guimbarde, j'aurais pu faire un solo. Une petite coquine là. Méchant, toi. Ce personnage ne serait-il pas plus méchant que moi en fait? Putain, que d'émotion pour un bouton à fermer, les gars. Je pense que l'étape numéro 2, ça va être de toucher son nœud dans les cheveux. Je sais, vous avez des esprits tordus, apparemment, le visual novel donc s'adresse en particulier aux gens qui ont l'esprit vraiment tordu, quoi. Ça veut dire que je suis ton boyfriend maintenant. Bon, on baise. Tu m'as fait peur, Monica, comme tu es arrivée comme ça, de la gauche d'un seul coup sans prévenir, je ne t'ai même pas entendu avec tes petits patins anti-bruit. Des petits patins. Pour tes petons. Ton petit haut. Oh, c'est poupi. Ouais. Attention, c'est parti sur ce poème. Ouais.
Oui, je suis la réincarnation de Edgar Allan Poe. Qui avait d'ailleurs cette charmante phrase qui était écrivez déchiré, édité sobre. Là, j'aimerais bien avoir des applaudissements et me préenregistrer. J'ai fait 45 minutes sur un visual novel. C'est un nouvel achievement pour moi si je tiens l'heure. Franchement, je tiens à ce que je revienne sur l'archive de cette vidéo sur YouTube et que les commentaires soient remplis au sujet de cette performance tout à fait exceptionnelle qui ne me ressemble pas. De là, dire que le jeu est bon, c'est une voie sur laquelle je ne m'engagerai pas, loin de là. Parce que j'ai quand même eu le temps de faire un café, de me rouler des clopes. Là, je fais des massages à mon chat en même temps. Et on en est à un point de l'histoire où j'ai l'impression qu'on a commencé il y a 5 minutes, quoi. Non, ça vous fait pas cette impression, vous? Parce que, ouais, on va faire des poèmes, mais j'aimerais bien te faire voir mon problème, mon poème, mais... ouais, mais voilà, mais... Ah, attention. Oh, ouais, c'est bien ça. Non, mais c'est bien ce que tu fais. T'es gauchère, toi, en fait. C'est beaucoup de gauchers, moi aussi, regarde. C'est cool. En fait, faudra que je lui avoue un moment que je ne sais pas lire du tout. Ce sera beaucoup plus simple. D'ailleurs, je clique au hasard, là. J'ai vu une case rose et avec une flèche, donc c'est pour ça que j'arrive à m'en sortir. Mais ce jeu est trop compliqué pour moi. Et que ça sorte, merci. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Non, j'ai pas envie des autres en fait, les gars. Non, mais on peut aller, je sais pas, next. Hey! Faut que j'essaye ce bouton. Parce que je voudrais pas faire le mec qui a pas fait un test sérieux du jeu en testant vraiment tous les boutons. Tu le skip pour de bon là, ou il te faut 6 mois pour skipper, mon gars? Bon, note pour plus tard. Appuyez sur skip quand on a un choix. Ça ne change rien, ça reste bloqué sur le choix. Jean-Pierre, Jean-Pierre, apporte-moi le rap à fromage et un peu de beurre pilé, s'il te plaît. Merci. Et du beurre. Non, pas du beurre, on en a bientôt plus. Quel drame. Alors, petite note pour plus tard. Clore mon abonnement à Noco. Hein. Monsieur Sébastien Ruchet, raconter des conneries comme ça à l'antenne, c'est énorme. Il faut qu'il y ait des conséquences. Hein. Action, conséquence.
Et là, non, Seb, tu t'es foutu de la gueule de tout le monde, c'est pas possible. Alors, c'est un pote à toi qui a programmé ce génial visual novel qui. Attends, je lis ce poème parce que c'est trop beau. Hey! 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 Mais on tient là, le. Mais c'est extraordinaire! Je peux même pas sortir du truc. Ah si. Alors toi, on va faire skip, parce que tu me. Il n'y a pas une option gifle. J'allais devenir fou. En fait, ce jeu est pire qu'un appel de Cthulhu. Car il te rendra fou en beaucoup moins de temps. Regarde, on en a 50 minutes. Faut que je tienne 60. Faut que je tienne. Ah! Ça y est, j'ai des spasmes dans la main. Tartiner les deux autres poèmes encore là. Donc je pense que je vais faire les 60 minutes haut la main. Allez, Sayori, ça fait. Hop. Salut! Ouais! Pareil, point de suspension. T'as kiffé mon poème vraiment? Mais c'est parce que t'es une copine d'enfant, c'est normal, t'es trop gentille, t'es crognonne quoi, comme on dit. Je veux dire. Maintenant, on va accélérer un petit peu si tu veux bien. Fais-moi voir ton pionième. Hein. Je pense qu'il doit être vraiment trop génial. Il y aura des petites fleurs dedans, peut-être. Et même des chatons. Allez. Bon, ce putain de jeu débile. Tu as pas de chatons? C'est de la merde ton poème, allez, dégage. Là 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 là. Donc c'est un kill game, ok. Je m'en fous de ce que tu dis, tu m'ennuies. Allez Monique, je peux pas te blairer, toi de toute façon. Ton poème, je vais te dire qu'il est super bien, mais juste parce que je peux pas te caisser. Allez, on y va. Ouais. J'imagine les puristes du visual novel qui doivent me voir dans le stream et me faire. Mais putain, ils passent tous les trucs importants! À ma connaissance, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir raté quelque chose d'important depuis le démarrage de ce truc qui peut se résumer à l'instant présent, c'est-à-dire 52 minutes plus tard, en 7 lignes précisément. Donc si j'ai raté un truc, merci de me le marquer dans les commentaires parce que. Oui, je dois être trop bête et effectivement, j'ai dû rater quelque chose. Mais là, c'est. Je viens de donner 55 minutes de ma vie à du vent. Quand je serai sur mon lit de mort, elles vont me manquer ces 55 minutes, j'en suis certain. J'aurais dû faire ça comme poème. Bah oui, mais petite. Mais on se connaît depuis qu'on est enfant, enfin on joue au docteur et tout, tu peux pas comprendre, Ginette. C'est important de jouer au docteur quand on est enfant. Général, c'est la partie qui fait bien flipper les parents. Alors que c'est juste des bambins qui jouent, quoi. Mais bon, les parents, ils ont la tronche tellement vrillée par leur réalité, que tout de suite, ils imaginent des trucs que des adultes peuvent imaginer, quoi. Qu'est-ce que c'est con en adulte en fait? Je suis une introspective en même temps, parce que l'histoire de passer le temps et puis que ça a une utilité. Pareil, dans les commentaires, vous y allez. Et si vous avez des besoins de conseils sur la bipolarité, les trucs comme ça, vous me demandez dans les commentaires. Pareil, je vous réponds du tac au tac, je vous ferai même pas payer. Ouh là là. Allez, paye ton poème. Alors, elle nous a fait du Pink Floyd.
Ok, il nous fait un petit complexe utérin, mais ça va lui passer, je pense, d'ici 2-3 ans. Allez, hop. Oul! N'essaye pas de prendre des mots intelligents, ça ne sert à rien, mademoiselle. Tu n'as aucun crédit. Deux fois d'affilée. Donc je mourrai, puis hop. Ah non, je peux. Et là, paf, la deuxième lame passe et tu meurs une deuxième fois. Enfin, je me mouche, hein, c'est beaucoup plus intéressant. Attends, qu'est-ce qui se passe? Elle sourit tristement, c'est mignon. Alors, le crêpage de Chignon entre filles, c'est parti! Youhou! J'espère que le chapitre ne va pas être trop long, sinon je vais m'ennuyer et avoir des crampes sur le bouton de la souris. Arrêtez avec vos esprits tordus, les moteurs de stream. C'est pas possible, ça. Essayez de faire quelque chose de culturel en m'intéressant à l'univers de cette petite île perdue au fin fond de l'autre côté de la planète. Et voilà, tout ce que vous faites, c'est gâcher l'ambiance, péter le groove. Sachant qu'en plus, c'est fait en Europe, ce logiciel, si je ne m'abuse. Donc, c'est vraiment un produit purement pas japonais. Mais qui repompe tout. Sébastien Ruchet, j'ai ton adresse email. Ça va chier. Je vais t'envoyer des gros plans d'animaux en train de faire des choses qui, culturellement, n'ont pas grand-chose à voir avec la science. Qu'est-ce qu'on s'emmerde? Il y a des mecs qui jouent à des visual novels comme ça qui durent toute une journée. Parce que là, moi, je vais passer mon heure légale, mais après, je vais pas me forcer hein, si j'en ai marre. Non, je vais pas bien, moi. C'est que des boobs, hein, on va pas en faire une... Enfin si, toi, tu pourras avoir sujet d'en faire un drame, mais voilà. Je pense qu'il va y avoir de la moralité, là. Oh, est-ce que je vais arriver à conclure avant 1 heure? De toute façon, le but du jeu, c'est de jamais conclure dans ce truc-là. Ah oui, je surveille l'espace disque dur aussi. Ah, mais j'enregistre pas celui-là. Je le stream direct.
Oui, ce serait dommage de bouffer de l'espace disque dur pour ce genre d'expérience culturelle J'arrive même plus à bâiller en fait, tellement ce truc m'a neutralisé. Et après, on s'étonne que les gens agissent comme des robots. Ouh. Please hurry up, girls. Bon, puis quand t'es un graphiste, t'es pas foutu de te faire faire plus de 5 screens quand même, c'est qu'il y a quand même un gros problème, gars. Je sais pas. Oui, on sent que je m'ennuie énormément quand je commence à m'énerver au sujet d'un jeu. Vous avez pu le voir avec Debris et son système de tir complètement pourri, de chez pourri. Tout ça parce que c'est supposé simuler un petit peu la latence qu'on peut avoir quand on est sous l'eau. Et en fait, ça fait juste de la merde. Je crois que j'ai mon heure, là. Ouais! New achievement, je veux des applaudissements. Des bisous aussi. Et une bouteille de Jack Daniels, je suis jamais contre. Hein. Je vous donne mon adresse en privé, si vous voulez. On va se laisser rentrer chez soi, si tant est qu'un jour on puisse rentrer à sa maison, sans leur dire qu'on les emmerde. Et puis on va arrêter là, quoi, parce que j'ai toujours pas compris quel était l'intérêt de me faire cliquer pendant une heure sur un bouton. En me laissant en tout et pour tout, j'ai fait quoi, combien de choix? Parce que sélectionner les personnages, c'était même pas vraiment des choix. J'ai dû prendre une décision, deux peut-être, par inadvertance. Ok. Je vais jamais arriver à rentrer à ma maison. Je vais appeler The Coon si ça continue. Oui, cassons-nous. C'était génial. Allez, tape mon 5. Bon, on se revoit pas demain. Et même pas dans cette vie et ni dans une autre. Hein, on fait ça. Genre là, je vais à ma maison, mais en fait, je vais aller ailleurs, parce que je veux même pas que tu me retrouves. Et comme je sais que tu es une petite fille sensible, eh bien, tu vois ce mouchoir que je viens de remplir? Donne ta main. Donne ta main. Je vais te le donner, rien qu'à toi. Oui, je sais, il est encore tout chaud. Mais l'amitié, c'est une valeur qui est tellement importante dans ce bas monde où les gens se déchirent entre eux. Et où parfois il faut même avouer que quand t'es tout seul et tu veux ouvrir un emballage, et bien des fois l'emballage il résiste et t'es là, t'es tout seul et tu te dis si j'étais pas tout seul, ben l'emballage il résisterait pas parce que j'arriverais à l'ouvrir avec une. Et c'est ainsi que le grand-père Simpson s'endormit en racontant sa sempiternelle histoire qui n'intéressait personne. Comme ce logiciel qui s'appelle donc Doki Doki Literature Club et qui m'a rendu complètement fou et psychopathe. Qui m'appelle? Oui. Allez. Hey, moi aussi, tu vas voir, j'ai une hache dans mon cartable ce soir. Il y a un petit buisson que j'ai repéré sur le chemin. On va beaucoup s'amuser. Bon, les enfants, je vais appuyer sur save. Et je vais vite sortir de ça. Parce que. Il y a des gens pour qui l'enfer, c'est tous ces païens qui ne croient en rien. Pour moi, l'enfer, je crois que c'est ça. Hein. Ça y est, je l'ai trouvé. L'enfer, il a un nom. Il s'appelle donc. Doki Doki Literature Club. Ce truc est un non-sens. Alors, s'il y a des gens qui ont fait l'expérience de le parcourir en entier, qui se révèlent qu'il y a des retournements, des choses. Original, autre que ce qu'on pourrait avoir dans un bouquin à l'eau de rose. Ouais, je veux bien avoir l'info, parce que je me sens pas le courage de vous refaire un autre stream, à moins que je trouve des substances illicites. Mais dans l'état, là, non, c'est pas possible.
Voilà, c'était ma tentative ultime et peut-être dernière d'avoir fait un visual novel. Merci d'avoir suivi ce stream éducatif de haut niveau. Si les visual novels, vous les aimez, je le respecte et j'espère que ça vous éclate comme vous le méritez. Si vous n'êtes pas vraiment visual novel, je pense pas que ce titre soit fait pour être une invitation à ce domaine à découvrir. Demandez plutôt à un pote qui lui est fan des VN et qui se fera un plaisir d'essayer de vous trouver un titre adapté à vos débuts. Ce serait peut-être pas mal. Je vous fais des bisous, encore des bisous. Ah, toi, t'as un petit bouton sur ton chemisier qui est mal agrafé. Bouge pas, je vais remettre. Ah, bah, allez, ciao, 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 ciao.